Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Emprunter 70 milliards d'euros pour financer la transition climatique. C'est la proposition faite par plusieurs parlementaires, notamment trois députés de La République En Marche, Pascal Canfin, Laurent Saint-Martin et Bénédicte Perrol, députée de l'Allier, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. On va vérifier que la liaison est bonne. Je vous entends très bien. Bon, ça marche, c'est parfait. Vous allez pouvoir détailler cette idée et débattre avec Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines. Bonjour. Bonjour, vice-président de la Commission des Finances de l'Assemblée. Nicolas Rochon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, fondateur du groupe Air Green Invest. Vous financez justement la transition. Bénédicte Perrol, je commence avec vous. Est-ce que c'est le bon moment pour emprunter 70 milliards de plus, si j'ose dire? Alors, la proposition qu'on a faite, elle s'inscrit dans un travail sur qu'est-ce qu'on doit faire de la dette Covid de manière générale. Et cette proposition est venue dans le cadre des réflexions qu'on avait sur le plan de relance et est-ce qu'il faut le prolonger ou pas, est-ce qu'il faut l'amplifier. Et la question de l'amplification du plan de relance, on ne pense pas qu'elle soit nécessaire de se poser la question maintenant parce qu'il faut avant tout le mettre en œuvre et le décliner sur les territoires. En revanche, concernant la transition écologique, on sait dès à présent que malgré la mise en œuvre du plan de relance, d'ici après 2022, il nous faudra aussi continuer à investir. Et on sait aussi que les investissements dans la transition écologique nécessitent d'avoir une vision à long terme. Et c'est pour ça qu'on fait cette proposition dès à présent. On ne propose pas d'emprunter 70 milliards d'euros en 2022. On propose de s'inscrire dans un horizon 2028. Nous savons, d'après les études qui sont faites notamment par le think tank I4C, qu'il va nous falloir 15 milliards d'euros par an en plus en termes d'investissement, investissement tout compris, hein, acteurs privés, publics, dont 7 à 8 milliards d'euros pour l'État. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette proposition, aussi parce qu'on pense qu'elle sera bénéfique pour le budget de l'État en termes de recettes et de croissance pour l'avenir. Alors ça peut sembler effectivement un peu paradoxal, Jean-Noël Barrot, dans le cadre d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de la dette Covid, de se dire on se rajoute 70 milliards de dettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, moi je pense qu'effectivement il faut être ambitieux sur les questions de transition écologique, et que il y a deux manières, si je puis dire, de financer les efforts considérables dont Bénédicte a parlé. Le premier, c'est effectivement de s'endetter. Et est-ce que vous avez dit, est-ce que le moment est-ce est opportun? Est-ce que c'est le moment? Les taux restent bas, mais ils sont en train de remonter légèrement, taux, donc il y a peut-être taux, un risque quand même. Les taux même vont rester très durablement bas parce qu'il y a, du fait du vieillissement global de la population mondiale, un déséquilibre entre ceux qui veulent épargner et les supports pour cette épargne. Donc les taux vont rester bas pour très longtemps. Vous êtes donc optimiste en disant ça? Non, je pense que c'est le consensus chez les économistes. Ouais. Et donc on peut être, à condition de s'endetter pour de malgré bonnes raisons... Malgré les plans de relance de l'économie américaine, 1700 milliards plus 3000 milliards qui sont annoncés absolument par Joe Biden. Les taux ne vont pas augmenter pour autant. Bon. Et donc, à condition d'utiliser cet argent pour de bons motifs, c'est le bon moment. Mais il y a une autre manière aussi de financer cette transition écologique, c'est de solliciter, non pas les 70 milliards, mais entre 100 et 200 milliards qui ont été accumulés sur les livrets, sur les comptes courants des Français, et qui pourraient être utilement affecté à la transition écologique via des placements, via des investissements dans des supports d'investissement qui sont verts, qui sont pleinement tournés vers la transition écologique. Flécher cette épargne populaire. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les taux, Nicolas Rochon, vous voyez... Non, sur les taux, je me méfierais du consensus. Je me méfierais du consensus, parce qu'historiquement, les économistes, quand ils pensent que ça va bien se passer, normalement, c'est plutôt l'inverse qui arrive. Et sur les marchés financiers, ça se répète de cycle en cycle. Donc je serais quand même un peu précautionneux. Et c'est un des systèmes très importants de vigilance quand on investit dans la transition énergétique, c'est les taux. Aujourd'hui, on a une accélération très forte des investissements dans la transition énergétique parce que nous avons des taux extrêmement bas, ce qui nous permet d'avoir des retours sur investissement et de rendre les énergies alternatives, notamment compétitives avec les énergies fossiles. Mais c'est vrai que ce point de vigilance des taux, que Dieu vous entende, j'espère vraiment que ça va être le cas, mais je serai un peu plus prudent. En revanche, moi, il y a un point qui m'intéresse énormément, c'est sur cette deuxième partie. C'est, oui, de quoi a besoin la transition énergétique pour se développer et pour essayer de combattre le réchauffement climatique. Et donc, je dirais même l'adaptation au changement climatique. C'est ça le vrai sujet. C'est l'épargne. C'est libérer l'épargne. Et c'est l'épargne, c'est là où est l'argent. L'État, il n'a pas d'argent.
L'État n'a pas d'argent, il perd de l'argent structurellement. Et historiquement, il nous a montré son incapacité à bien gérer l'argent. Donc, il nous faut, nous, aujourd'hui, les entrepreneurs, tous les acteurs de la transition énergétique, un État fort et consistant dans ses plans d'action. Je dirais juste un mot là-dessus. Mmh. Comment peut-on faire confiance à un État qui, un jour, annonce un plan de relance à 50% sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique, une semaine plus tard, revient sur les engagements majeurs des contrats de long terme qui avaient permis à notre secteur, notamment dans le solaire photovoltaïque, de se développer. Et en réalité, c'est ça le paradoxe. Ce n'est pas vraiment d'argent dont on a besoin. On a besoin de confiance de nos dirigeants qui vont nous donner une route et nous, acteurs, on va pouvoir investir et mobiliser l'argent privé. Confiance et simplification aussi, vous en direz un mot tout à l'heure. Bénédicte Pérol, qu'est-ce que vous répondez à cette demande finalement d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui lui aussi accompagne la transition écologique ? Alors, deux points. La sécurité juridique, elle est nécessaire pour toutes les entreprises et tous les entrepreneurs, et je le comprends bien évidemment. Bon, on pourrait débattre longuement. On a eu ce débat en loi de finances sur les contrats qui concernent notamment effectivement le photovoltaïque. Il y avait une rente assez importante des engagements passés qui avaient été pris. Il y a quand même des seuils dans la loi qui ont été fixés pour faire en sorte de ne pas déstabiliser totalement les acteurs économiques. Mais j'aimerais revenir sur la question de on n'a pas besoin d'argent. Finalement, on a besoin de confiance. Moi, je pense qu'on a besoin des deux. Je ne suis pas convaincue pour le coup que la position de Nicolas Rochon, qui est de dire qu'il n'y a pas besoin d'argent, elle fasse consensus pour le coup, contrairement au taux d'intérêt bas pour les économistes, parce que ce qu'on voit et ce qu'on anticipe encore une fois dans les études, ce n'est pas la parlementaire qui a fait les études ni économiques ni scientifiques, mais c'est qu'on va avoir besoin d'énormément d'argent pour faire cette transition écologique qui concerne l'économie, qui concerne nos infrastructures de mobilité par exemple, et que bien évidemment il ne faut absolument pas que ce soit l'État qui mette tout l'argent sur la table. En revanche, l'État a un rôle de levier et il l'a toujours eu, et c'est son rôle principal et majeur. Il y a l'État, il y a bien évidemment aussi les collectivités, il ne faut pas l'oublier. Et j'aimerais dire dans ce débat que contrairement à la façon dont l'État emprunte sur toutes les autres dépenses, dans la transition écologique, l'État français est exemplaire puisqu'il a mis en œuvre ce qu'on appelle les OAT vertes. C'est-à-dire qu'il prend un engagement vis-à-vis des investisseurs concernant les dépenses qu'il va engager pour cette transition écologique. Elles sont clairement identifiées dans le budget de l'État. Les investisseurs, c'est totalement transparent vis-à-vis de ceux qui nous achètent notre dette. Et par ailleurs, et le plus important pour la parlementaire que je suis, je sais que Jean-Noël qui est sur ce plateau, il y a beaucoup travaillé également, c'est celui de l'évaluation. Et quand on met une OAT verte, on prend un engagement d'évaluation du côté pour les investisseurs, et l'évaluation laquelle ? Celle de l'impact sur l'environnement. Ce qu'on ne sait pas toujours très bien faire au niveau de l'État d'ailleurs. Donc c'est vraiment un investissement et une capacité de s'endetter responsable. Alors justement, Jean-Noël Barrot, c'est l'un des enjeux majeurs. Si on débloque de l'argent, c'est comment on l'utilise et est-ce qu'on est sûr qu'il va au bon endroit ? Oui, je rejoins ce que disait Bénédicte et même sur d'autres sujets. Aujourd'hui, l'important n'est pas tant le niveau de la dette que ce que l'on fait de la dette. Mmh. Et ça, l'État français, le Parlement, doit pouvoir disposer d'outils beaucoup plus précis, beaucoup plus complets pour mesurer l'effet que ces dépenses de l'État vont avoir sur le réel et en matière de transition écologique. Deux petites innovations importantes quand même à signaler. On a créé un Haut Conseil pour le climat avec des experts qui désormais donnent des avis sur la politique du gouvernement. Et surtout, et grâce à l'impulsion de Bénédicte Pérol, on a au Parlement désormais un document qui s'appelle le Green Budgeting, donc le budget vert, qui va lister les dépenses et les recettes de l'État chaque année en disant telle dépense est plutôt favorable ou défavorable à l'environnement. C'est un embryon parce que seule une petite partie des dépenses et des recettes sont catégorisées, mais c'est très utile parce que désormais le Parlement pourra en son âme et conscience se prononcer, mais en sachant si l'argent qui est dépensé par l'État, si l'utilisation qui est faite de cette dette est favorable ou défavorable à l'environnement. Est-ce que ça vous rassure ça, Nicolas Rochon, vous qui demandez justement de la simplification dans l'utilisation de cet argent ? Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent, hein, que les choses soient très claires. Je veux juste
pouvoir m'engager sur un chemin long, les infrastructures pour l'adaptation au changement climatique, on parle de 50 ans minimum pour pouvoir s'adapter. Mmh. Donc, si on revient sur les décisions tous les 4 matins, parce que soi-disant, ça n'avait pas été bien fait, et parce que maintenant, telle ou telle nouvelle technologie est plus rentable, on n'y arrivera pas. Mmh. Donc, on a besoin de confiance. Et l'État doit nous donner la confiance. Deuxième point, et c'est un point fondamental, c'est cette simplification. Pourquoi mettons temps, aujourd'hui, il y a trop de démarches, c'est trop compliqué. Mais tellement de démarches, tellement de sous-commissions, tellement d'organismes. C'est une pieuvre. Et je vois un nombre d'entrepreneurs qui ont un mal fou pour trouver leurs aides, pour savoir à qui s'adresser. Allez demander dans les différents services, quand des organismes publics qui sont pour la transition énergétique, il y a 50 sous-services, 50 décideurs. Et donc ça, c'est un énorme problème. On nous parle de sujets. Entre le moment où l'État semble prêt à mettre en place la mesure, il y a au moins 18-24 mois qui se mettent en place. Mmh. C'est pas du tout en adéquation avec la vitesse et les besoins de ce secteur qui s'adapte. Les décrets d'application arrivent trop tard, c'est ce que vous dites. Et puis ensuite, il y a trop d'interlocuteurs. Et trop d'interlocuteurs. Donc avant d'éventuellement développer ou débloquer plus alors, ou peut-être qu'on peut garder l'idée de débloquer de l'argent, mais il faudrait simplifier. Je dirais juste un dernier point, c'est très important sur l'argent. Plus que de l'argent, je pense que l'élément démultiplicateur pour qu'on arrive à accélérer le mouvement, c'est un phénomène d'assurance. Je pense que si l'État était là pour nous couvrir sur les premières pertes, là, on pourrait accélérer beaucoup plus vite. Je m'explique. Il y a beaucoup d'argent, mais tout l'argent est orienté vers les mêmes projets, c'est-à-dire des projets où il n'y a pas trop d'innovation technologique, où vous avez une vraie visibilité sur les cash flows. Vous pouvez donner un exemple, peut-être ? Je vais vous dire, aujourd'hui, si vous voulez investir dans du solaire au sol, vous investissez sur des centrales solaires au sol, finalement, le risque, il est quand même extrêmement faible, parce que vous avez une technologie qui est totalement mature, vous avez participé à un appel d'offres avec un prix, Vous allez avoir un cash flow. Il faudrait favoriser l'innovation, c'est ce que vous dites. En revanche, les infrastructures différenciantes. Je pense notamment, j'ai reçu encore un dossier là, sur les nouvelles bornes de recharge pour la mobilité. Donc comment on fait coupler des bornes de recharge? Le modèle était extrêmement intéressant, parce que le grand risque qu'on a aujourd'hui, c'est quel risque de trafic? Quand j'ai une centrale solaire, je sens que 100% de mon électricité va être vendue. Donc ça, j'ai réglé mon problème. Ou après, il y a des agrégateurs, on va faire du stockage. Quand j'ai ma borne de recharge, qui me dit aujourd'hui que je ne suis pas en avance de phase et que ma borne de recharge ne va être utilisée que 3% du temps, 4% du temps, 5% du temps? Un investisseur, comment peut-il prendre le risque? Il est avec l'argent des retraités français sur un risque de trafic et d'utilisation. Donc vous demandez une assurance. Là, j'aurais besoin que l'État nous donne cette garantie. Il reste 30 secondes, je vais demander à Bénédicte Perrol de répondre sur cette question d'assurance très rapidement. Merci. Oui, non, Monsieur Lachon, pour le coup, a 100% raison sur les mécanismes de garantie aujourd'hui. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire. C'est comme, par exemple, je vais prendre un autre exemple que celui des énergies renouvelables, et celui aussi de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est pas très, très rentable jusqu'à présent quand on fait des économies d'énergie. Et je pense qu'on aurait à gagner à ce que l'État puisse arriver peut-être en termes d'assureur en dernier ressort. Il le fait dans d'autres dispositifs. On a tous connu le PGE et on continue à le connaître pendant cette crise, et peut-être qu'il faut qu'on travaille effectivement à voir comment l'État vient en soutien et encore une fois joue ce rôle d'assureur comme il peut le faire notamment aussi à travers des mécanismes de PIA d'investissement, qui sont des programmes d'investissement d'avenir, mais très spécifiques et très compliqués, je veux bien l'admettre, Nicolas Rochon, sur ce point-là. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, c'était passionnant. Tout de suite, une start-up à l'honneur.